Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur laquelle nous sommes sur la cile. Donc on va la démarrer et on va tout mettre à zéro. Alors pourquoi? Parce que tout simplement que en fait la batterie est chargée à 100%, 572 km, et oui, vous rêvez pas. Donc bien sûr j'ai la clim parce qu'il fait chaud. Et on va mettre tout à zéro. Donc ici voyage B, on va le mettre à zéro. Voilà. Et puis, comme vous pouvez voir, elle a un peu plus de 20 000 km maintenant. Et on va tout simplement faire un aller-retour uniquement autoroute. Donc, je vais rouler. Et comme ça, ah oui, niveau ordinateur de bord. Donc, on va essayer de voir ça. On va faire un petit reset ou pas. Au niveau de l'ordi. Hein, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'est ça. Et on va essayer de mettre tout à zéro. Donc la pression des pneus. Là, on va faire ça. Décidément, j'ai du mal. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire à zéro encore? Ça. Le mettre à zéro la conso sur les derniers 50 km. Et on a quoi? Ça, on peut pas le mettre à zéro, mais c'est la consommation sur les 20 000 km. C'est la consommation moyenne, à savoir que je fais beaucoup d'autoroutes. C'est pas une voiture sur laquelle je fais que de la ville. Voilà, on a fait le tour et on va essayer de voir quelles sont les moyennes, etc., qui sont données par l'ordinateur, sachant que j'ai une impression que c'est pas terrible. On est en mode éco, donc on va le faire tranquille, et puis on fera certainement le même trajet mais en mode sport. Allez, c'est parti. Une portion qui est limitée à 90 km/h, donc c'est respecté. On respecte en fait les limitations de vitesse. Donc nous sommes dans la Seal Propulsion, donc la version 313 chevaux, la design. Et donc là, on va rejoindre l'autoroute qui, lui, est limitée à 130 km/h. Donc on va respecter les limitations de vitesse. Donc là, j'ai uniquement 10 minutes en fait de départemental, donc 90 km/h. Et après, on enchaîne avec du 130 km/h. Voilà. Donc on respecte. Alors quand c'est maintenu, on est aux environs des 14 kW, alors qu'il fait 20 degrés à l'extérieur. Et oui, c'est une chute brutale de température en plein été. Voilà. Donc c'est la vitesse stabilisée à peu près 14 kW à 90 km/h. Bon, c'est ce qu'indique l'ordinateur, mais d'après mes calculs, ça c'est un petit peu moins dans la réalité. L'ordinateur de bord, enfin l'ordinateur, pardon, pour le moment n'a pas encore eu de mise à jour, donc ça ne serait-ce tarder. Enfin, j'espère en tout cas, qu'il soit beaucoup plus complet. Parce que là, il ferait vraiment très pauvre. Voilà. Donc là, niveau conso, vous voyez la moyenne sur les, alors combien de kilomètres? J'ai même pas dû faire 10. Non, j'ai pas fait 10 kilomètres. Voilà, 5 km, 11,8. Bon, bien sûr, ça va crescendo, hein. Voilà. Donc la route est belle, hein. C'est des grandes lignes droites vers chez moi. Puis bien sûr la campagne. Alors, on revient sur la consommation, donc ici sur la partie toujours nationale, qui est donc là il y a des petites portions qui sont à 70, parce qu'on traverse des petits villages, voire même des fois des petites portions à 50 aussi, ça arrive. Et on est à 10,5, comme vous pouvez constater de vous-même. En fait, c'est très simple, quand on a un véhicule électrique, la conduite est un peu différente par rapport à un véhicule thermique. Et normalement, si vous avez une conduite adaptée, vous faites vraiment une très faible consommation, et donc vous rallongez la durée, enfin l'autonomie, parce que regardez, 565 km, sachant qu'il a été donné pour un petit peu plus de 570, 572 de mémoire. Regardez, si vous additionnez les 13,8 km déjà effectués, vous rendrez compte qu'on dépasse allègrement les 172 initiaux. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie info. Après, bien sûr, quand je serai à 130,
bien sûr, ça ne sera plus la même consommation, ce qui est normal. Voilà. Mais avec de l'anticipation, on arrive à réduire donc la conso. Donc pour ceux qui ont besoin en fait d'une formation sur la conduite de VE, n'hésitez pas, parce que c'est quelque chose qu'on va faire à partir de septembre. On va ouvrir justement des cours pour optimiser en fait l'utilisation du VE. Et comme ça, vous ferez que des économies. Et sur certains cas, vous arriverez à dépasser le kilométrage WLTP, bien sûr, sous certaines conditions. Allez, on continue. Pour ceux qui connaissent, nous sommes à Saint-Mauron, en Seine-et-Marne, secteur de la Ferté-sous-Jouarre. Alors, on rentre sur la partie autoroute A4. Alors, on va tout simplement essayer de vous montrer que malheureusement, on ne sera pas forcément sur un truc tip-top, parce que c'est une entrée d'autoroute, mais qui se passe dans un virage montant. Voilà, donc bah, on va rester derrière le semi-remorque, même s'il m'a laissé la place pour que je puisse passer. On va rester derrière lui, donc vous verrez que bah, au niveau vitesse, hein, on va pas vite, hein. Et puis ça monte, donc bien sûr, ça va consommer. En plus, je crois que ça dure 2 km de montée. Donc c'est ce qui est pas top pour rentrer sur l'autoroute, mais bon. Vous voyez, hein, ça monte. Wow. Là aujourd'hui c'est blindé de semi-remorque. Voilà. Bien sûr, hein, ça va exploser, regardez. Eh oui, nous sommes en montée, donc pour atteindre les 130, les choses que je vais en même temps à mettre le limiteur de vitesse, enfin le régulateur, pardon. Donc la mise à jour concernant le maintien dans la voie, malheureusement toujours non actif. Regardez, je vais le remettre et ça met comme quoi les conditions ne sont pas réunies pour activer en fait ça. Donc du coup, ça ne marche pas. Vous voyez, si je lâche la voiture, regardez, elle va traverser les voies. Donc je reprends la main. Donc ça, on attend toujours la mise à jour. A priori, elle est prévue pour septembre. Ah, on a quelqu'un en panne ici. Voilà. Alors, moi, je dégage toujours la voie, hein, de celui qui est en panne. Je préfère mettre toujours les gens en sécurité. Voilà, donc c'est ma fonction, c'est ma façon de faire. Et je circule le plus possible à droite. Voilà, parce qu'il y a toujours des fous furieux qui ne respectent pas la limitation de vitesse. Après, comme c'est leur permis, bah, ça les regarde. Et on a la preuve ici, donc, avec une Mercedes qui nous double. Donc après, c'est pour ça, il faut toujours laisser la voie de gauche disponible. Voilà, je suis à... Alors, c'est bien indiqué à 130. Et voilà, ça fait des petites variations parce que ça doit être à 129, 99, 130. Enfin voilà. La consommation, là, stabilisée, on est dans les 19 kg. Voilà. Au niveau de la consommation moyenne, bah, elle est en train d'exploser, bien sûr. De 10,5, on passe à 13,5 pour le moment. Et j'essaierai de vous filmer quand je vais arriver à la sortie de l'autoroute. Voilà. Là, j'ai à peu près 70 km à faire. Niveau conditions climatiques, il ne pleut pas et on a 20 degrés en plein été. Donc, il faut savoir que les conditions météo influent aussi sur l'autonomie. Hein. C'est-à-dire que s'il fait froid, s'il pleut, ça a une incidence et vous allez faire moins de kilomètres, ce qui est normal. Alors, deuxième péage, Coutevroux, pour ceux qui connaissent. Donc, comme on a le télépéage, on va se mettre tout simplement sur une voie réservée pour les porteurs du badge. La conso, un point vite fait sur la conso.
Donc bah, elle monte hein, automatiquement, 16 de moyenne à 130. Hein. Et encore, elle risque d'augmenter encore. Voilà. Et donc, moi, ce que je fais, c'est appui fort pour atteindre très très rapidement la vitesse max autorisée de manière à remettre le régulateur. Alors, 130, voilà. Ah. Parce que là, il y a des voitures, il y a des vacanciers qui rentrent. Donc, secteur de Disney, je suis à peu près à une demi-heure de route. Et là, en fait, je suis tout simplement le véhicule devant moi, parce qu'il est vraiment à 130 km/h, donc pas la peine que je me mette sur la file de gauche. Voilà, et là, je vais finir mon dépassement, parce que j'avais dépassé la voiture avec sa remorque. Et comme. Voilà, et donc je me rabats, bah, comme d'ailleurs le 4x4 devant, vous voyez. Voilà, et là on a les deux voies qui sont complètement libérées pour laisser donc au dingue de la vitesse de la route de passer. Et les aléas, bah, bien sûr, des vacances, bah, c'est les pannes, ça arrive. Alors, j'ai quitté l'autoroute. Bon, il y a à peu près 2 minutes. Hein, je suis au cœur du centre-ville de Chelles, donc en Seine-et-Marne, dans le 77. Et la conso, bah, j'étais à 18. Hein, bon, là, elle baisse un petit peu parce que je roule doucement. Bah oui, parce qu'on arrive dans des villes où il y a des feux rouges tous les 50 mètres. Et du coup, bah, ça baisse, ouais, parce que on roule doucement, on baisse la vitesse, etc. Donc, bah, du coup, on était parti, il y avait 572 km, et là, on arrive avec seulement 500. Donc, en gros, en réalisant les 61 km, parce qu'on avait mis à zéro, hein, rappelez-vous au début de la vidéo, bah, au final, j'ai perdu 11 km, voilà, d'autonomie, parce que j'ai fait de l'autoroute. Donc, 61 km de réalisé, il me reste 90% de batterie. Voilà, donc ça peut donner des indications pour certains qui utilisent la voiture électrique pour aller au travail et qui font peut-être 50 km d'autoroute. Enfin voilà, là pour le coup, c'est bien. Donc pour ceux qui connaissent, hein, là ici, c'était le Peugeot qui existait. Ici, c'était le bâtiment neuf. Là, c'était en fait une boutique qui vendait des billards. Pour ceux qui se rappellent, voilà, c'est une ville en métamorphose complète avec de la construction de bâtiments de partout. Voilà, et puis surtout avec des travaux sur la route qui durent déjà des années et des années. Et donc, c'est en fait le secteur où j'ai débuté avec les Chrysler Voyageurs, où j'en étais spécialiste. Et voilà, petit à petit, j'ai augmenté la cadence. Chaque fois, je les passe à orange. Mais ça va, c'est le début de l'orange. Voilà, donc là, on arrive sur Ford. A priori, hein, donc je dis bien a priori, hein, c'est à confirmer, ce garage Ford va se transformer en garage BYD. Voilà, donc le garage Ford de Shell va se transformer en BYD. Donc c'est les échos que j'ai eus. On verra si c'est vrai ou pas. Alors j'arrive à destination. Alors on va faire le topo sur les consoles, la durée, etc. Donc vous allez voir, vous allez vite comprendre que ça consomme pas tant que ça au final. Voilà, donc là je suis arrivé avec un 17,7 parce que je suis pas loin en fait de l'autoroute. Ok, sur lequel donc on va mettre ici, donc j'ai mis 1 heure de conduite sur une vitesse moyenne de 62 km/h malgré la grande portion à 130 km/h. Et donc vous voyez hein, sur la totalité de mon trajet, du coup 17,7 par l'ordinateur. Je suis persuadé que c'est moi
493 km que je peux réaliser. Donc j'ai fait 64 km. Il reste 89%. Donc pour ceux qui font 100, même 100 km par jour, vous avez de quoi rouler sans charger obligatoirement tous les soirs. Voilà. Donc on va faire dans le sens inverse, pareil. Et comme ça, vous aurez la totalité en fait sur un aller et retour, par exemple pour aller au travail. Au cœur de la ville de Chelles. Donc, on est sur le chemin du retour et sur lequel, vous voyez, hein, la conso, elle baisse drastiquement. Mais ce qui est normal, vu qu'on fait seulement du 50 km/h maximum. Voilà, donc on était passé là tout à l'heure. Et maintenant, on va faire le retour. Donc, le même trajet. Hein. Voilà. Donc, pour ceux qui sont aussi intéressés, j'ai les enfants qui sont derrière. Hein, les enfants? Voilà. Regardez, le petit s'est mis bien avec un petit coussin en plus là. Pour bien regarder le film, donc pour ceux qui se posent la question, c'est Catwoman. Voilà. Donc avec le fameux boîtier que je propose dans la boutique WhatsApp. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est Netflix. Voilà. Allez, on continue le périple. Et on reprend donc l'autoroute A4. Donc bah ici c'est l'embranchement avec la 104 qui arrive et qui débarque. Alors logiquement cette fois-ci la voie de Paris, on peut la prendre, enfin Paris 2024, on peut la prendre puisqu'on est entre les deux JO qui vont recommencer le 30 août, si je dis pas de bêtises. Enfin dans ces dates-là à peu près. Voilà, donc j'ai mis le régulateur de vitesse, donc j'ai le maintien dans la voie tant que j'aurai pas dépassé les 125 km/h. Donc là je peux lâcher le volant sans aucun problème. Regardez, tac, voilà, là la voiture elle se conduit toute seule. Je mets la main quand même au cas où. Donc je suis toujours en mode éco avec récupération d'énergie en fort pour peut-être voir si elle va consommer moins que en version sport. Mais je connais déjà la réponse parce que je l'ai déjà fait. Mais comme ça, on va aller jusqu'au bout de ce test. Donc là, toujours le maintien dans la voie. Je suis bien programmé à 130 km/h. Et on a donc pour le moment une moyenne de 16,6, ce qui est plutôt bien. Et on va voir ce que ça va donner sur l'autoroute. Après, voilà, donc nous sommes à l'embranchement de la 104, direction Charles de Gaulle. Alors, on a toujours le film qui tourne. Donc ça, c'est pour les enfants qui sont derrière. Je baisse le son. Alors, nous sommes toujours à 130 km/h. Et là, vous voyez, hein, 20 kW au centre moyenne. Donc là, c'est plus la conso réelle, parce que on est quand même sur pas mal de montées. Bon, la voiture s'est mise devant, donc la voiture elle a ralenti parce que il va moins vite que moi, bizarrement. Il m'a doublé, mais après il se met devant moi et il roule. Enfin bref, donc là il y a pas mal de montées et c'est pour ça qu'on a les consos. Regardez, 38, 37, puis là ça va descendre, donc on va commencer à descendre et là on va se retrouver avec des consos qui vont être négatives. Voilà, donc là on est sur un faux plat et qui va descendre. Voilà, qui annonce une descente à 5% dans 200 mètres. Donc à partir du pont à peu près. Et là, vous allez voir, on va être en négatif. Voilà. Et quand on est en négatif, donc ça régénère la batterie, ça la recharge. Donc là, on est à 408. Précis, je suis toujours au régulateur, hein. Donc on est toujours à 130 km/h. Là, si je voulais, là par exemple, si je désactive le régulateur, donc j'ai mis un petit coup de frein, et là on régénère beaucoup plus. Bon, bien sûr, la vitesse elle diminue, mais pourquoi? Parce que je suis au niveau de la sortie. Donc du coup, je mets mon petit clignotant, et là on va voir, on était à 408, on va voir si on va prendre de la vitesse, des kilomètres ou pas. Bah oui, on a pris 1 km déjà, donc ça c'est déjà pas mal. 409,
410, voyez. Donc ça régénère. Sur à peine 1 km, j'ai pris 2 km de plus d'autonomie. Voilà, et donc là, je laisse couler parce que tout simplement, on arrive au péage. Et donc, c'est pour éviter d'arriver et de freiner. Voilà. Et donc ici, la conso, elle a baissé en même temps. On est à 19. On est toujours à 410. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que j'accélère un petit peu fort. Alors, pas à fond, mais un petit peu fort pour atteindre la vitesse maximale autorisée. Et après, on roule tranquille. Voilà. Donc là, ça continue à descendre. Ça va baisser encore en conso. Puis là, ça fera que baisser puisqu'on va arriver sur départemental à 90. Régulateur de vitesse toujours à 90, mais là on est sur une portion qui est un peu plus faible. Et la conso, elle commence à se réduire de pas mal. Ah, le film qui vient de se mettre en route parce que c'est par internet. Si on arrête, voilà, je vais baiser le son. Alors, niveau conso 18,4 au lieu des 20,4 je crois sur l'autoroute, donc ça continue à baisser. L'autonomie 400 km, 75%, donc on a fait 125 km pour le moment, et donc ce qui veut dire que on a juste perdu environ 50 km d'autonomie par rapport à l'autoroute qui est beaucoup plus énergivore. Si vous faites que de la départementale et ville, vous arrivez même à dépasser les 600 km. Chose que vous avez aussi une vidéo qui est déjà présente sur la chaîne. Voilà, je vous laisserai regarder. Je crois qu'elle est intitulée Autonomie Max. Voilà, donc j'avais fait national, départemental et ville, et pas d'autoroute en tout cas. Voilà, donc pour ceux qui se posent la question, savoir si on peut faire, donc vous voyez, hein, je vais faire à peu près 130 km, parce qu'il y a eu 65 allées, donc 65 retours, ça nous fera 130, et vous voyez, hein, il me restera encore plus de 70% de batterie, et ce qui permettra de recharger, pour ceux qui ont ce genre de trajet, éventuellement tous les 3 ou 4 jours. Voilà, ce qui est pas mal. La voiture, elle, rétrograde en même temps, vu que devant ça freine. Donc du coup, j'arrive pas à avoir les 90 km/h. Bon, je viens d'arriver, comme vous pouvez voir, donc 388 km restants. Donc j'ai fait 133 km d'autonomie. Donc la moyenne arrivée 18,2, parce que pour venir chez moi, c'est un petit peu en montée. Et on va essayer de voir donc les infos. Ici, donc 2h05 de route, une vitesse moyenne de 54 km/h, et voilà, et on est, voyez, 18,2 avec l'autoroute, voilà. Donc et puis les pneus, donc ils ont chauffé, hein, puisqu'on était parti, ils étaient à 2,7, et là vous voyez, ils sont à 2,9. Pour le reste, voilà, tout fonctionne, regardez, là c'est IPTV. Donc, comme quoi, ça fonctionne aussi, hein, là-dessus. Résultat des courses, ce véhicule-là, pour l'utilisation, pour aller au travail, donc au niveau de la recharge à domicile, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller. Parce que c'est vrai que tout le monde appuie sur le fait qu'il y a des charges rapides vraiment qui sont pas ouf, mais pour une utilisation de tous les jours, honnêtement, ça sert strictement à rien d'avoir une voiture qui a une charge rapide, ultra rapide, si vous chargez majoritairement chez vous. Vous l'avez vu à travers mes vidéos, je pars en vacances au maximum 2 fois dans l'année. Donc, s'il y a vraiment 2 fois, allez, on va dire 3 ou 4 dans l'année où je vais utiliser les bandes de recharge rapide, parce que j'ai aussi des événements à couvrir, des choses comme ça qui peuvent être loin, et du coup à ce moment-là je vais effectivement charger. Vous avez vu sur la vidéo du 14 août où je vous fais le retour du Portugal et où je vous montre aussi des recharges de véhicules beaucoup plus chers et qui sont pas forcément beaucoup plus rapides. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Bizarrement, le 20-80, en à peu près une demi-heure,
ce qui n'est pas forcément plus qu'une autre voiture de la concurrence. Et autre avantage, c'est que on a quand même une autonomie qui est quand même pas mal au niveau autoroute. Voilà. Et par rapport à la concurrence. Et ça aussi, il faut le souligner. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, elle vous a intéressé. N'hésitez pas à liker et à partager, mais surtout à vous abonner pour de nouveaux contenus sur l'automobile, ici sur la BYD Seal Design, donc la version propulsion, qui est déjà pas mal. D'ailleurs, pour ceux qui sont en région parisienne et qui veulent tester pour comparer avec leur véhicule, il n'y a aucun problème. Et pour ceux qui veulent tout simplement s'initier aux véhicules électriques, pareil, je reste à votre disposition et vous pouvez même faire un essai du véhicule. Voilà, sur ce, bonne journée et à bientôt !